François le 16. Mon cher Gilles. Oui, n'est-ce pas? Bon, l'écharpe rouge, elle est où là? Parce que ça, c'est pas suffisant. Hein. Eh, c'est vrai, c'est. Mais bon, j'ai laissé mon bonnet rouge à la maison aujourd'hui. Hein. Je suis venu avec ma casquette de Titi Parisien. Ouais, mais tout le monde fait la gueule parce que tu reconnais personne et personne te reconnaît. Ben oui, ben voilà, mais en fait, je suis en off là. Non, je suis en freelance, voilà. Mais c'est vrai, c'est un passage incontournable quand même parce que si on vient pas dire bonjour aux copains, aux amis à Running Expo, on n'est pas bon. Bon, la Bretagne a vu rouge et les organisateurs de Saint-Paul-Morlaix, est-ce qu'ils voient rouge ? Ils vont bien. Hein. Bon, alors non seulement on a vu rouge à travers les bonnets rouges, c'est le cas de le dire, mais on a surtout subi quelques grosses intempéries entre l'eau, le vent, etc. C'est vrai que nous avons beaucoup souffert cet hiver, mais c'est pour mieux être serein cet été. Ça signifie que l'édition 2014 sera bien au sec, pied au sec. Comme d'habitude, Gilles, comme d'habitude. Voilà, mais non, elle sera au sec. Elle sera au sec parce que, en fait, les vannes ont tellement été ouvertes qu'il n'y a plus d'eau là-haut. On annonce quoi pour cette édition ? Pas grand-chose. On va essayer de pas faire. Non, pas grand-chose. On va essayer de faire aussi bien. Hein, de muscler encore l'organisation et puis. Non, on peut pas innover, trouver un fil rouge tous les ans. On va essayer de, oui, comme je le dis, on va essayer de faire aussi bien. Voilà, à savoir assurer le confort, la logistique et la bonne organisation pour les 8500, 9000 coureurs qui vont venir quand même comme tous les ans. Voilà. Où est-ce qu'on trouve cette énergie là pour organiser comme ça ? Ben l'énergie, oui, c'est vrai qu'il en faut parce que j'ai des coups de mou comme les copains, mais. Chasser le naturel, il revient au galop et puis ça repart. Et puis c'est vrai, des fois je me demande comment je fais. Mais bon, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Puisque à travers le Saint-Paul-Morlaix, mon trail Roscoff to Roscoff est la présidente régionale des courses hors stade. C'est vrai que je suis occupé à plein temps. Mais comme souvent tu le soulignais dans tes bons articles, comme bénévole, je le revendique haut et fort, voilà. Ah, c'est pour ça qu'on m'a dit que tu allais racheter la Transgaule alors ? Oh non, j'ai pas les moyens de racheter la Transgaule, voilà. Donc tu as déjà du mal à boucler, mais bon, non, pas les moyens, mais. Toi, tu sors pas de ta Bretagne, ouais, c'est voilà. Tout à fait, Gilles, tout à fait. Non, ben, on va sur la 42e édition, sur le Saint-Paul-Morlaix, voilà. Et dans quelques jours. Sur la 5e édition du Roscoff to Roscoff, qui est un trail marin, un vrai de vrai. On court dans l'estran, pieds dans l'eau, hein, parce que là, à défaut de l'avoir sur la tête, on est dans l'eau. Bon, écoute, bon courage pour cette année, et puis merci. Bon salon. Et puis, vive VO2, et puis, de bons souvenirs. Quand je vois notre ami Chocho qui déboule, là, c'est vrai que vive VO2, et puis merci à tout le monde. Pour les bons reportages. Vive la Bretagne, ouais! Pour les reportages que vous nous faites et que vous nous avez faits. Voilà. Bon, merci, à bientôt.